I am the greatest of all time. Ladies and gentlemen, Sports Illustrated Sportsman of the Century, Muhammad Ali. L'Amérique rend hommage à l'un des hommes qui révolutionne la boxe, le sport, le monde. Cassius Marcellus Clay Jr., son nom d'esclave, dit-il, et qu'il déteste, s'entraîne à la boxe pour se défendre et ne plus jamais se faire voler son vélo. Le gamin va vite grandir, vite gagner. Le 22 juillet 1963, il monte un show à l'occasion du championnat du monde poids lourd. Il salue Floyd Patterson, le challenger, et fait semblant de fuir le champion, Sonny Liston. Ce jour-là, l'Amérique le découvre lors de la victoire en un round de Sonny Liston. Un fanfaron de 21 ans cristallise l'attention d'une Amérique sidérée. You're tired of talking, you want the big man. I'm going to prove to the world I'm the greatest. Hey, yeah. You see what he had the nerve to do? The headline. Chump. That's the headline. Qui est ce jeune noir qui défie l'Amérique blanche? Petit-fils d'esclave, aux origines irlandaises, né à Louisville, dans le Kentucky. À 18 ans, il marche sur Rome, conquiert la ville éternelle lors des Jeux Olympiques de 1960. Médaille d'or en poids mi-lourd. La vie de Mohamed Ali se décline notamment en trois thèmes. La lutte des Noirs contre l'Amérique blanche. La lutte du boxeur noir contre un boxeur noir qu'il déteste, Joe Frazier. La lutte du noir rebelle contre le noir pro-américain, George Foreman, champion olympique des lourds en 68. Après avoir contraint Sonny Liston à l'abandon lors du premier championnat du monde, Mohamed Ali le met KO. Dès le premier round, le 25 mai 65, au cours du match revanche, et derrière, il invente le buzz. Oh, I'm so great. 1967, le président Lyndon Johnson s'embourbe au Vietnam. Dans une Amérique traumatisée, Mohamed Ali refuse de prendre part à une guerre qui ne le concerne pas. Il le proclame haut et fort. Mes ennemis, ce sont les Blancs, pas les Vietcong, les Chinois, ni les Japonais. Vous me brimez quand j'aspire à la liberté, quand j'aspire à la justice, quand je demande l'égalité. Vous ne me soutenez pas dans ma conviction religieuse ici en Amérique. Et vous voulez que je me batte alors que vous ne me soutenez pas? Ce refus lui coûte son titre. Son appartenance à Nation of Islam accentue sa chute. Côtoyer Elijah Muhammad et Malcolm X déplaît fortement à l'Amérique blanche. Mais le dicton uniquement en Amérique va se vérifier. Ali retrouve ses droits. Et le 8 mars 71, il affronte Joe Frazier pour le titre mondial. C'est alors la bascule, le côté obscur de Mohamed Ali. Ridiculiser son adversaire, surtout quand il s'agit de Frazier. Ce 8 mars 71, le Madison Square Garden affiche complet. 15 rounds épiques pour un championnat du monde inédit. Deux boxeurs invaincus s'affrontent pour le titre suprême. L'un veut le ridiculiser et le démettre, Ali. L'autre veut le rabaisser et le soumettre, Frazier. Mohamed Ali tombe au 15e round et se relève. Il est déclaré battu. Mais le vainqueur, Joe Frazier, passe une semaine à l'hôpital avec un visage à la Elephant Man. Ali repoussé, Frazier affronte un monstre de puissance, George Foreman. Deux rounds. 6 voyages au tapis pour Frazier, qui perd son titre.
Le nouvel objectif de Mohamed Ali s'appelle George Foreman, ce boxeur noir tellement intégré au système blanc. Le combat est prévu à Kinshasa, au Zaïre, le 24 septembre 1974. Mais Foreman se blesse à l'entraînement. Combat reporté. Mais personne ne quitte le Zaïre. Explication. Bill Keaton, le promoteur. George Foreman in training got a cut, so the fight was postponed for almost for 2 months. And during that period of time, everyone wanted to leave, but Mobutu, the dictator of Zaire, said no one leaves. He didn't let Foreman leave. He didn't let Ali leave. He didn't let any of the key people leave. He kept them there. He was afraid if they left, they'd not come back. Ali profite du report pour monter un show extraordinaire auprès du peuple zaïrois. Déstabiliser Foreman et se donner encore plus de courage. When I'm walking down the street, the kids follow me, screaming George Foreman, Boumaye. Ali invente Ali Boumaye, Ali tue-le. Et il peaufine son show. Can you put your 100,000? I'd wrestle with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. I'm so mean, I make medicine sick. Bad dude. Bad. Ain't no doubt. Fast. 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 Last night, I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Incredible. Fast. Nuit du 1er octobre 1974, The Rumble in the Jungle, le combat dans la jungle. Huitième round, le combat tourne à l'avantage du Greatest. Foreman, KO 8e. Foreman, explication, 20 ans plus tard. But when I lost that fight with Muhammad Ali, it devastated my life. He's making excuses. Oui, il cherche toujours des excuses pour sa défaite. Il dit que le tapis était trop mou, mais il est tombé de tellement haut qu'il devrait être heureux que le tapis ait été aussi mou. I said all along that I believe that there was a conspiracy in Africa that I would lose the title. And I found out the true conspirator was Muhammad Ali. He hit me with that right hand, boom, on my chin, and dropped me. Pour Mohamed Ali, qui vient de récupérer le titre mondial, il reste un défi, sa belle, face à Joe Frazier. S'il vole comme un papillon et pique comme une abeille, le papillon butine parfois les fleurs du mal. Humilier son adversaire. Il compare Joe Frazier à un gorille. Ali n'est pas au-dessus des lois. Il a été condamné en 67. Mais il se place au-dessus de la morale. Si un blanc fait cela, l'Amérique prend feu. C'est à Manille, sous la férule du dictateur Ferdinand Marcos, qu'a lieu le troisième opus, celui-là in Manille. Aux yeux du monde, Marcos veut se blanchir, comme on blanchit l'argent sale, au vu de tous, mais sans le déclarer. 50 degrés, debout sur le ring, ils sont en rage. Frazier frappe au corps pour briser les reins d'Ali, lui martyriser le foie et l'empêcher de bouger. Ali lui ferme l'œil droit. Frazier est borgne. Il ne voit pas de l'œil gauche depuis 1964. Ali est épuisé. Eddie Fuchs, le manager de Frazier, arrête son boxeur au 14e round. Abandon, Joe Frazier ne lui pardonnera jamais. Rendre les armes, jamais. Plutôt, rendre l'âme. Eddie Fuchs se justifie. J'ai déjà vu 8 morts sur un ring. Je ne veux pas risquer un 9e. Ali vainqueur s'écroule inconscient. Mais dans la conscience collective, Ali est l'homme qui aide à la libération de 14 otages en approchant Saddam Hussein. En 2005, Ali obtient la médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile aux USA. JO 96 Atlanta dévoile au monde un Mohamed Ali secoué par la maladie. Depuis 1984, la mort et une saloperie appelée Parkinson entament leur course. Fin de cavale, 32 ans plus tard.
À 74 ans, il quitte cette vie qu'il a tant agitée. Après avoir refusé de coucher son étoile sur Hollywood Boulevard, elle demeure accrochée à notre mémoire pour le restant de notre vie.